Qu'est-ce qu'il veut acheter? Cherche des remazim, cherche des allusions. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Un petit potion, il peut devenir un objet de moi. Hachem, quand il fait une preuve, il veut un contact. Il veut que tu viennes parler avec lui, que tu verses ton cœur, que tu te mettes de côté. Il dit, dans l'épreuve, de ce moment-là, quand elle arrive, tu peux pas être plus proche d'Hachem qu'à ce moment-là. Quand tu auras ma chair, il n'y aura plus besoin de souffrir pour être proche d'Hachem. Hachem, il va devenir une évidence. C'est à ça qu'on veut t'emmener. Et l'un des plus grands conseils qu'il y a pour que ça devienne une évidence, c'est la Yigbodedu. À nous de travailler. Auparavant, notre lien avec Hachem, pour que cette épreuve, elle devienne un tremplin vers lui, et pas un siège d'éjection. C'est pas dans l'allégresse qu'on voit la grandeur d'un homme. C'est que dans la chute. Alors cette épreuve, soit elle éclate le cli, sinon la personne elle comprend pas l'épreuve. Soit si la personne elle attrape l'épreuve, il l'agrandit, donc il reçoit plus. Il arrive à se trouver. C'est pourquoi on est venu dans ce monde.